Voici l'histoire de Souleymane Traoré. Il y a en banlieue, comme partout en France, des gens désireux de prendre pleinement part à leur propre histoire et à celle du pays. Des gens qui ne vivent pas nécessairement en réaction à. Des gens qui veulent se sentir responsables. Responsables de leur choix. Responsables d'eux-mêmes. Voter pour moi signifie, au fond, donnez-moi des responsabilités. Rendez-moi responsable. Et lorsque les choses vont mal, vers qui se tourner ? Si ce n'est vers ceux qui ont le pouvoir de changer les choses. Cette pièce est le résumé de trois morceaux importants de ma carrière qui sont Lettre à la République, qui est une lettre dans laquelle je fustige, un morceau dans lequel je fustige l'État justement. C'est aussi Constat amer, un autre morceau dans lequel je pointe du doigt nos propres contradictions, le racisme qui existe entre Africains, le manque de solidarité qui existe entre banlieusards et un autre morceau qui s'appelle Banlieusards justement, qui est un hymne à la réussite. Sur le plateau, Kerry, c'est un monstre de scène, donc j'ai le sentiment que de ma traditionnalité, j'avais plus à apprendre de lui vraiment que lui à apprendre de moi en termes de charisme, de puissance, d'intelligence de plateau, de tout ça. En se prenant une balle dans la tête, victime d'un autre mec qui tue ses propres frères, en attendant lui aussi de renverser le système. Ce que ça m'a apporté, c'est que j'ai retrouvé ce que j'aime dans le rap, cette intention et cette parole directe adressée au spectateur. Et ça, je l'aurais pas fait sans lui. Nous, la deuxième France, les banlieusards, j'ai bien peur que ce « nous » ne soit qu'illusoire.